Salut à toutes et à tous, c'est Weasley Création. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera un tutoriel sur comment créer ses propres bouteilles de bière au beurre. Donc, comme les reproductions dans les films, on va essayer vraiment, enfin, du moins, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai pu recréer ses propres bouteilles de bière au beurre. Je vais aussi vous donner des astuces que j'ai pu acquérir et je vais aussi vous montrer comment on peut reproduire un liquide très très facilement sans forcément reproduire la vraie vraie bière au beurre. Donc, dans ce tutoriel, vous aurez besoin d'une bouteille. Donc, une bouteille comme ça. Donc, une bouteille de vin. Si possible, assez allongée. Ce qu'on appelle une fûte. Ça, c'est fûté. Donc, une bouteille de vin. Si possible, d'un bousson en liège. Qui sera plus facile à découper par la suite. Un objet coupant. Un ciseau, un cutter ou autre, de la peinture, que ce soit acrylique ou de la peinture en tube comme là, si possible en orange, ça serait vraiment super, et d'un bac d'eau, donc moi j'ai pris un Tupperware tout simple, avec de l'eau chaude si possible, et donc voilà, à la fin ça pourrait donner une bouteille ressemblant à peu de choses près à ça. Voilà, donc voici un exemple, en voici un autre, celle-là qui est un peu ma préférée, j'adore l'étiquette. Donc, il y a une bouteille de bière au beurre qui vient des Trois Balais. Donc, voilà. Donc, on va tout de suite passer à la première étape dès à présent. Donc, voilà, on se retrouve dans la première étape de ce tutoriel. Donc, la première étape est bien sûr d'enlever l'étiquette. Alors, préalablement, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Il faudra télécharger ce type d'étiquette. Donc, qui sont les nouvelles en gros, qui sont les nouvelles étiquettes des bouteilles. Donc, en voici d'autres. Voilà, donc aujourd'hui, on va plutôt faire une bouteille des Trois Balais. Je trouve vraiment cette étiquette vraiment super belle. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner une astuce. Pour enlever l'étiquette, au mieux de déchirer très mal et en plus, ça laissera plein de traces sur la bouteille, je vous conseille de prendre un bac, donc un récipient avec de l'eau bouillante si possible. De remplir votre bouteille d'eau bouillante aussi, de la plonger dans ce bac. Donc voilà, on va dire entre 5 et 10 minutes, puisque les étiquettes de bouteilles de vin sont collées du moins à ce qu'on appelle de la colle à l'eau. C'est-à-dire qu'à très forte température et très forte humidité, ces étiquettes s'enlèvent très très facilement. Donc je vous retrouve d'ici 5-10 minutes, le temps que les étiquettes se décollent. Et il n'y aura plus qu'à tirer tout seul dessus, passer un petit coup d'éponge sur la bouteille pour que vraiment ça donne un résultat parfait. Et après, on passe tout de suite à la seconde étape. Alors voilà, donc on se retrouve 5-10 minutes donc après avoir mis la bouteille. Donc on voit bien que la bouteille, l'étiquette s'est déjà pas mal enlevée. Alors je vais terminer de l'enlever et passer un coup d'éponge. Voilà, donc là on voit bien que le papier c'est quand même assez bien enlevé. Sur le devant, l'arrière a été un peu plus dur puisque il n'était pas plongé entièrement dans l'eau. Donc là on va passer un petit coup d'éponge tout simplement, vider la bouteille et on passe à la prochaine étape. Voilà. Voilà, donc là on voit bien que la bouteille est vraiment très propre. Voilà, il reste vraiment plus rien. Alors voilà, donc maintenant que la bouteille est propre, donc comme je vous l'avais montré, voilà, vous laissez un tout petit peu d'eau dans le fond, donc pour pouvoir mettre la fausse bière au beurre dans la bouteille. Donc, mais avant tout, comme le haut du bouchon, ce qu'on appelle le col ici, est d'une couleur violet pourpre et que ça va pas du tout avec les étiquettes. On va juste l'enlever avec un coup de cutter ou un coup de ciseau. Donc voilà, 2 secondes.
Voilà, ce qui donne déjà mieux. Alors maintenant, on va appliquer la peinture. Alors, pour reproduire de la peinture, enfin pour reproduire de la bière au beurre, on va utiliser de la peinture orange, comme ceci. Donc, pour ceux qui n'ont pas de peinture acrylique, ce qui est plus facile parce qu'elle se dissout mieux, on va prendre de la peinture en tube. Alors, de la peinture en tube, comme ceci. Donc moi, c'est esquisse. Donc c'est une peinture de base, basique. On va en ajouter un tout petit peu. Voilà, comme si, pas besoin d'en mettre beaucoup. La peinture étant tombée au fond, elle ne va pas se dissoudre comme de l'acrylique. Donc, on va tout simplement mettre une main, donc notre main droite ou notre main gauche, tout dépend si on est droitier ou gaucher, au bout. Et on va tout simplement agiter la bouteille pour que la peinture se mélange déjà. La peinture étant mélangée comme ceci, donc ce qui donne orange bien homogène, on va tout simplement rajouter de l'eau jusqu'à à peu près ici. Donc pour que le bouchon ne soit pas trop grand. Voilà, donc l'eau rajoutée, donc vous pouvez voir que ça donne orange, homogène partout. Je me suis arrêté à peu près à là, comme vous pouvez le voir, pour laisser en gros passer ce bouchon. Voilà. Donc comme ça, ce sera à la bonne hauteur. Essayez que le mélange soit bien homogène. Mélangez bien pour pas que ça fasse trop orange là et de juste de l'eau ici quoi. Mélangez tout bien. Voilà, donc juste un mélange d'eau et de peinture. Voilà. Donc je trouve ça assez réaliste quand même, hein. C'est sûr que c'est pas de la bière au beurre réelle, mais moi je trouve pour ne pas en avoir fait, je trouve que voilà, ça donne quand même un assez bon rendu. Alors maintenant, on va passer à l'étiquette. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de refaire une étiquette bière au beurre des trois balais. Alors, donc, vous allez prendre tout simplement de la colle en stick qu'on peut utiliser à l'école. Vous allez juste l'ouvrir et je vais vous montrer comment le coller avec une astuce. Alors voilà, donc je vais essayer de le faire tout en tenant le micro, ça va être assez compliqué. Alors, donc vous ouvrez votre bouchon de colle. Vous tartinez bien sur l'étiquette, surtout bien sur les bords. Voilà, parce que c'est surtout les bords qui vont faire maintenir votre étiquette. Donc c'est vraiment très important. Voilà, n'hésitez vraiment pas à badigeonner sur les bords un peu partout. Voilà. Alors, astuce, pour chasser les bulles d'air, donc pour pas que vous ayez un mauvais collage, vous vérifiez déjà que votre étiquette est bien droite. Voilà, à peu près comme ceci. Et vous allez coller que la partie là, dans un premier temps. Voilà. Donc là, vous voyez, mon étiquette est pas droite. Donc, tac, je vais la... Voilà. Pareil, toujours que d'un côté. Et je vais faire chasser l'air d'un côté. Donc déjà d'un côté, comme ceci. Puis de l'autre. Voilà, comme ceci. Donc, je vais essayer de mieux le faire. Voilà. Là, donc juste mon étiquette n'est pas super droite. Voilà, non, en fait ça va. Donc, votre étiquette étant collée, voilà, vous avez déjà une partie de la fabrication qui est faite. Il manque plus que le détail. Donc, on va se retrouver tout de suite dans quelques minutes pour la nouvelle phase. L'étiquette étant maintenant collée, donc comme vous pouvez le voir, sans bulle d'air. Bien collée, elle tient bien les droites. Vérifiez bien que les trois balais soient alignés au bouchon, si possible. De toute façon, ils seront toujours alignés, mais essayez vraiment que votre étiquette soit vraiment bien droite sans bulle d'air. Alors, maintenant, on va passer à l'étape du bouchon. Alors, je vous avais conseillé un bouchon en liège, tout simplement, puisqu'on ne va pas laisser le gros bout de bouchon comme ça. Voilà. Donc, on va le couper, donc, avec le cutter. On va le couper comme ceci. Sachant que votre bouteille sera étanche, tout en ayant, on va dire, un certain esthétique, une certaine esthétique. Donc, on va couper comme ceci, et après, votre bouteille sera finie. Donc, je vais le couper, je vais poser le micro juste 2 secondes, le temps de couper le bouchon. Voilà, le bouchon étant coupé, donc ce qui est beaucoup plus simple
avec du liège que du plastique. Donc il faudra juste fignoler là, imaginons, pour être vraiment précis. Mais à une main, c'est compliqué, je risque de me couper le doigt. Donc on va arrêter. Je le ferai hors caméra. Mais voilà. Voilà ce que ça peut vraiment donner. Donc moi, je trouve que ça donne vraiment un superbe résultat. Voilà ce que ça peut donner aussi avec un autre motif. Donc voilà, donc cette bouteille, c'est la première bouteille que j'ai faite. Donc que j'ai réalisée moi-même. Donc qui je trouve vraiment une superbe réalisation. J'ai fait aussi celle-là, qui vient aussi des trois balais. Donc une sœur jumelle en plus affûtée. Donc qui est plus grande d'ailleurs. Donc voilà, c'était Weasley Création. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, toi jeune sorcier ou sorcière, eh ben écoute, abonne-toi à ma chaîne. Sérieusement, ça me ferait énormément plaisir. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont vu ma première vidéo et qui se sont abonnées. 35 abonnés en une vidéo, c'est juste énorme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi des conseils pour améliorer les prochaines vidéos, car voilà, vraiment, je débute, donc je voudrais vraiment avoir un maximum d'avis. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez, voilà. Et surtout, faites-vous plaisir en recréant ces bouteilles. C'était Weasley Création, bisous à tous.